Sa marque et non pas nous, on impose le choix aux consommateurs. Troisièmement, on veut diversifier le marché. Fini les jours où on avait une ou deux marques qui règnent dans le marché. Là maintenant, on a plus que 7 ou 8 marques actives grâce à notre vision. Là, j'enchaîne sur Berber Fort. C'est quoi la stratégie de cette marque, le concept et l'idée? Voilà. Premièrement, on veut que Berber soit une marque locale, innovante. Alors, on est là, pas pour dormir, on est là pour innover et pour créer, chaque année. On veut une gamme de Berber complète. Comme vous le savez, on a lancé la canette l'année dernière. On a lancé la retournable il y a un mois. Et maintenant, on complète notre gamme. Avec Berber Fort, un nouveau type de bière. Finalement, on veut créer un nouveau segment, le segment de bière forte. Et là, c'est consommateur comme on va voir. Qui provient essentiellement de l'Europe. Il y a le houblon, il y a deux types de houblon. On a le houblon aromatique et aussi le houblon qui donne l'amertume de nos produits. Et on a la levure. Donc ces quatre ingrédients, en effet, c'est la base pour développer la bière. Très vague, un goût unique avec un alcool fort. Donc on a commencé à brasser. À déguster. Donc, on a un peu joué. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure, on l'a fait pendant la semaine pour développer la meilleure recette pour arriver à ce point. Tout le stock, la semaine dernière, on a fait une production avec moi pour avoir le produit disponible en tant que client, en tant que consommateur, on se consomme. Et je veux maintenant profiter de l'occasion, donc on est ici ensemble.